Allez, il est 8h39 sur Sud Radio. Parlons politique et parlons du favori ou des favoris de ces élections européennes. Je parle bien du Rassemblement National et de sa liste conduite par Jordan Bardella. Jordan Bardella, vu comme quelqu'un qui renouvelle le personnel politique par 56% des Français. Personnalité sympathique pour 56% des Français. C'est ce que révèle notre enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio. On en parle avec notre invité Luc Gras. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes politologue. Jordan Bardella, considéré comme une personnalité sympathique par 56% des Français. C'est presque un record pour une tête de liste du Rassemblement National. C'est un record, c'est incontestablement une jeune personnalité de talent qui a su vraiment incarner une forme de renouveau. Alors il a son alter ego de l'autre côté qui est Gabriel Attal, qui donne tous les deux un coup de vieux à tout le personnel politique habituel. Donc c'est quoi? C'est la prime aux jeunes en quelque sorte ou c'est la prime au RN? C'est la prime au renouveau. Et beaucoup de Français dans les sondages expliquent que on n'a pas essayé le RN, on a tout essayé et on n'a pas essayé le RN. Donc il y a une sorte de volonté d'essayer. Il est sympathique, comme vous l'avez mentionné dans le dernier sondage. Il est sympathique. Et ça a une caractéristique absolument essentielle chez lui qui fait qu'il transcende et d'une certaine manière les clivages, parce que vous avez vu qu'un certain nombre de LR l'apprécient. Et puis aussi vous voyez que il permet aussi de relativement rassembler les Français. C'est pas comme le gaullisme d'autrefois qui rassemblait, vous savez, tous les Français sortant du métro. Non, mais il touche aussi bien les jeunes que les vieux, et enfin les vieux, les personnes plus âgées. Et ça, c'est intéressant politiquement. C'est une bonne base de départ pour pouvoir être effectivement non plus l'outsider, mais le favori aux élections européennes. Ce que donne d'ailleurs l'ensemble des enquêtes qui posent la question aux Français pour leur demander pour qu'ils voteront à ces européennes. Mais avant ça, parlons quand même des traits d'image, on appelle ça comme ça chez les sondeurs, ils sont comme ça, de Jordan Bardella, personnalité proche des préoccupations des Français pour 52% d'entre eux. Ça, c'est classique chez le Rassemblement National depuis quelques années. Personnalité compétente pour 52% des Français, ça, c'est assez nouveau. Est-ce que, en quelque sorte, on peut dire que pour une bonne partie des Français aujourd'hui, en tout cas une courte majorité, le Rassemblement National et en tout cas Jordan Bardella sont prêts à gouverner? Alors c'est tout à fait intéressant votre question, parce que c'est tout le problème. Quand on connaît le parcours de Bardella, il a pour l'instant, il est député européen. Pour l'instant, il n'a pas eu de mandat vraiment d'incarnation comme maire, comme vous voyez dans des exécutifs de terrain. Et c'est toute la question. En fait, son image emporte le reste du sondage. C'est-à-dire que sa bonne caractéristique sympathique l'emporte sur le reste. C'est ce qui lui permet de franchir les 50% sur la compétence. Et c'est pourtant, ça pourrait être son talon d'Achille que de rentrer dans l'atmosphère du concret des choses. Pour l'instant, il n'a pas encore été à la tête d'un exécutif, ce qui est vraiment la clé pour connaître la compétence ou pas d'une personne. Néanmoins, les Français lui font quitus d'entrée, lui donnent 52% effectivement de compétence. Ouais. C'est parce qu'il est porté par son image globale. Alors, un mot sur le Rassemblement National, son parti. 29% des Français pensent que le RN ferait mieux que le gouvernement actuel s'il était au pouvoir. Alors, 29%, c'est à peu près le score donné aux européennes pour le RN. Ce qui est assez frappant, en fin de compte, c'est que c'est le Rassemblement National qui passe pour être le parti d'opposition le plus compétent, capable de remplacer le gouvernement actuel. Exactement. Plus crédible que les Républicains, plus crédible que la France Insoumise, plus crédible que le Parti Socialiste. Marine Le Pen a réussi son pari de la dédiabolisation. Il apparaît que le RN aujourd'hui est l'alternative dans ce pays. La réalité, c'est qu'ils ont capté d'une certaine manière l'héritage de ce qu'on appelait autrefois la droite populaire. Ils se sont en quelque sorte substitués au RPR, et Bardella, par son apparence physique, a en quelque manière un petit peu repris le flambeau de Chirac. Et on voit que beaucoup d'anciens électeurs, effectivement, de cette mouvance droite populaire, se reconnaissent
dans le RN aujourd'hui. Et on en reparlera évidemment sur Sud Radio d'ici les prochaines élections européennes. Merci Luc Gras, je rappelle que vous êtes politologue, à bientôt sur Sud Radio. Allez, à